On se retrouve pour l'avant-dernière course du week-end. Ce Grand Prix de Formule 3 qui vous attend. Je pars de la pole position comme vous avez pu constater. Et on est parti. Voilà, ouais, j'ai été touché là. Là, j'ai été touché. Oh là là. Bah, déjà, je démarre très très mal. J'ai vraiment beaucoup de mal là sur le départ. J'ai l'impression qu'un pilote à Raven West m'a touché avant le premier virage. Et en entrant, quelqu'un d'autre m'a touché. Là, je pilote pour le Couche Sport Racing. Attention, là, je me bagarre contre Logan Parker du Intel Motorsport. Déjà, le premier de ces 7 tours à boucler est très très chaud. What the shit, là. Oh là là. Mais vas-y là. Allez, sois chaud putain. Ça y est, j'ai enfin pris la tête de la course. Oh le blocage de roue. Le blocage de roue, il est énorme. Mais qu'est-ce qui vient bien pu se passer derrière? Oh punaise, je me loupe complètement. Décidément, un départ assez chaotique. Je suis donc en première position. De ce Grand Prix de Formule 3 et pour l'instant, hormis un premier tour chaotique, je suis intouchable. Attention là, je me loupe complètement, je pars de travers, direction de bac à gravier, là également. Voiture qui a chaviré. Décidément compliqué pour l'instant ce début de course, malgré que j'ai l'impression d'avoir un boulevard d'avance encore. Et là encore limite le bac à gravier. J'ai dû le toucher, j'ai dû y rouler légèrement. Pas beaucoup quand même. Hein. Allez, là, on est dans le troisième tour maintenant. Si vous venez regarder cette vidéo sur YouTube, Community of Fresh Gamers, playlist Giga en Val Racing, Grid Autosport GP Austin COTA. Attention, ça commence à démarrer très très fort cette journée du dimanche. Je vous le dis quand même, en GT3 je me suis senti assez à l'aise comparé à l'habitude. Par contre, comme je vous l'avoue, le touring car c'est toujours pas mon truc, j'y arrive pas. J'ai encore du mal. Mais la monoplace, par contre, c'est mon dada. Je veux dire, j'ai quand même joué pendant pratiquement une dizaine d'années fin 2002. Croyez-moi, ça c'est de l'expérience, hein.
sans compter que j'ai F1 2013 et qu'avant je jouais à F1 2009 pendant 2 ans. Quasiment. Non, qu'est-ce que je dis? Le jeu, il a même pas fait 1 an. Il a fait 10 mois pour être exact. C'est un autre jeu que je confonds avec lequel j'ai fait 2 ans avec à peu près. Ah oui, mais non, c'était un autre jeu, c'est un autre style de jeu celui-là. Mais qui était sur la Wii. J'ai arrêté d'y jouer depuis la sortie de fin 2009 et depuis que je jouais à Need for Speed Nitro. Je suis resté vraiment globalement coincé pendant 5-6 ans dans l'univers Need for Speed. J'ai rejoint l'univers Grid depuis fin mars. Et j'ai découvert également la saga Wipeout. D'ailleurs, des fois, je vous proposerai du Wipeout HD Fury. Je peux pas vous dire quand exactement, à chaque fois, mais je vous en propose. Des fois, quand je peux, j'en fais. Nous approchons de la fin de la course. Je viens de réaliser le meilleur temps autour en course. Et il se passe vraiment plus rien. Je les ai complètement atomisés. Oh là là, alors là je suis parti en glisse. J'ai posé une roue sur le vibreur. Voir les deux, c'est possible. En tout cas, ce qui est clair et net, c'est que là, c'est bien parti pour que je m'impose dans cette catégorie, comme je l'ai fait pour la catégorie Touring Car et GT. Excusez, si vous entendez du bruit autre que mes commentaires et le son du jeu, c'est tout simplement ma perruche Coco,
qui est content parce qu'il y a du soleil. Voilà, tout simplement. Ouais, puisqu'on est en automne, des fois le temps il est assez pourri. Donc il peut encore en profiter avant quand même l'hiver pour voir le soleil. C'est en général quand Coco crie en hiver, c'est parce qu'il a plus de graines ou plus d'eau, voilà, tout simplement. Quand c'est autre chose, c'est le soleil, voilà, tout simplement. Quand on est à l'heure d'été, c'est le soleil. Quand on est à l'heure d'hiver, c'est la bouffe. Pour info, ma perruche, c'est un mâle et pas une femelle. Hein. Attention, le virage. Peut-être la ligne d'arrivée. Ouais, non. Oui. Je franchis la ligne d'arrivée en première position. Et on réalise le doublé comme lors de la course GT. Quand même, je mets une de ces torgnoles. C'est Logan Parker qui complète le podium. J'ai même l'impression d'avoir fait le record du circuit. Dans cette catégorie, du moins pour le week-end. Les Français, les autres, Lambert 5e, Garnier 6e. Et la contre-performance de Luke Taylor, voilà, décidément il aura regretté l'accrochage du premier tour lors de la course de qualification. Il n'est seulement que 14e. Rendez-vous compte. Allez, on se retrouve très très vite pour la suite de ce week-end spécial Grand Prix des États-Unis.